Résumé de l'épisode précédent. Après avoir combattu des nazis, eu une grosse chiasse, dansé avec des Russes, suivi un entraînement intensif chez les Indiens, notre héros était devenu journaliste. Mais très vite, dégoûté par la médiocrité du métier, il ne sachant plus qui il était, il décidait de revenir ici, là où tout avait commencé. Bonjour, les étrangers. Bienvenue au Yellow Wiki. Et que puis-je faire pour vous ? En fait, ce serait pour une chambre. Mais attendez, vous seriez pas le journaliste du Daily Dogs ? Si, ouais, je suis un grand fan, j'ai lu tous vos articles. J'ai adoré celui, donc c'est mon préféré, celui sur la libération sexuelle des gays en Ouzbékistan. Vous vous rappelez ? Ah oui. J'ai un peu plus de voir. Ah d'accord. Mais attendez. Oui. Qu'est-ce qu'un homme comme vous fait dans la région ? Vous êtes quand même pas là pour le meurtre. Quel meurtre ? Agent Fleck. Bonjour, agent. Hop là. Non, mais c'était pour la blague, pour détendre l'atmosphère. Alors, on se fait la bise. Je sais que pour vous, c'est difficile depuis que Ben il nous a quittés. Hein, écoutez. J'irai pas par 14 chemins. Est-ce que vous voulez changer de service ou alors rester aux affaires non classées ou prendre des vacances ou des RTT ou ce que vous voulez, je comprendrai, hein. Non, Ben croyait vraiment très fort en ce qu'il faisait. Il a toujours voulu prouver que E.T. était vraiment un extraterrestre, donc je tiens à rester aux affaires non classées. Vous êtes forte, ça me dit. Merci. Forte. J'ai un dossier pour vous alors, si vous restez aux affaires non classées. Bon, c'est un dossier. Bon, je vous explique. C'est Horsville qui nous a téléphoné tout à l'heure. Ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous pour une affaire. Enfin, c'est tout dans le dossier. Quoi. Vous lisez. Hein. En fait, c'est une affaire d'un cheval qui aurait tué un homme. Bon, voilà. Vous lisez le dossier, puis vous y allez. Vous y allez, mais faites doucement sur la route, hein, vous faites attention. Allez, bon voyage. Et attention sur la route. Non à l'arrestation du cheval. Le cheval, c'est la vie. 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 Non, à l'arrestation. On n'est pas au siège des écolos, d'accord ? Oh lourd, ça va ? Bon, qu'est-ce que t'as foutu, toi ? Daisy, c'est quoi ce bordel ? Elles sont où, les bandes jaunes ? Je suis désolée. Je n'en ai pas trouvé, j'ai fait avec nos moyens. Mais ça, c'est quoi, ça ? C'est du PQ. T'as mis du PQ ? T'as mis du PQ en bande sur la scène de crime, tu mets oui, du PQ, toi ? Oui, mais ça fera l'affaire. Ça fera l'affaire, c'est une scène de crime, on passe pour quoi, nous ? On passe pour des charlots, là ? J'en fais rien. Putain. Non, à l'arrestation du cheval. 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 Oh non, à l'arrestation. Non. Non, à l'arrestation. Non. Non.
Dans mon bureau, tiroir de gauche. Non, c'est bonjour, non. Vous avez échappé. Bonjour, FBI. Ouais, faire l'affaire. Agence spéciale Fleck. Ah, bien, non mais, si vous faites là, enfin, personne ne vous a appelé. On vient de me contacter pour une affaire de meurtre. On vient de vous contacter, ça m'étonnerait. C'est moi qui gère le téléphone. La police est encore arrivée. T'as une voix comment? Féminine, probablement. Féminine. Pas 36 femmes dans mon nom. Une petite idée. Hein? Vers sa poste, alors. On peut voir de quoi il s'agit? Oh, c'est banal, c'est un petit cheval. D'ailleurs, Non, hein, c'est un cheval qui a tué un homme. D'accord. C'est tout. Vous venez? On va voir la scène. Toi, tu restes là, t'es gentil, tu fais pas ton super-héros, tu gardes la porte, d'accord? Prends le fusil. Là. Tu te blesses pas, hein. Donc, la scène du crime est ici. C'est horrible, c'est baigné le sang. Le gis doit être par là. Grand Wagner ? Ya ! Ah, je vais vous ouvrir, je vois que vous êtes encore un peu... Hein ? C'est le métier, merci. Ça ? C'est le métier. Merci. Ouais, il faut se trouver, mais là... Bien. Bonjour. Non, quand même. Donc ? Vous pouvez lui expliquer les faits rapidement, parce que... Madame vient d'arriver... Oui. La victime a été écrasée par le cheval. Exactement. Elle a eu une croisure des ligatures des ligaments. Oui, la victime a été touchée gravement, facialement, au dos. C'est la pression de Newton. C'est une blague, vous ne rigolez pas. Si, ah, si, bien sûr. Merci. Je comprends. Donc, je dois dire aussi... Oui. Le cheval, enfin non, la victime a mangé du sel cheval. D'après son sang, vous voulez goûter? Non, non, non. Je ne pratique pas. Merci. Guérande. Le sel. Non, non. Guérande. Non. Ah. Cheval. Et donc, voilà. Vous avez compris? Oui, Moi, j'ai pris quelques notes, mais je suis pas sûr. Hein. Enfin, on va voir. Oui. Je veux savoir qui a découvert le corps. Ah, oui. Alors, c'est un prêtre du coin. C'est le père Mortemoux, ça me semble. Et il est gentil. Le propriétaire des lieux? Non, non, non. Le propriétaire des lieux, c'est comme le nom l'indique, Otto. Otto, je sais pas trop comment. Et il est en vacances à Nuremberg. Un spectacle à aller voir avec plein de gens. Des fils, je sais pas, tu vois. Pas tout ça. D'accord, très bien. Est-ce qu'on a des indices sur le criminel, des suspects? Ah, on l'a arrêté, là on a été très bon, on a été très efficace, on l'a arrêté, il est ici. Ah ! Oh, un cheval nazi. Je peux me permettre, c'est un chétan, hein. Faire du galop. Alors, viens dans notre ranch, on est cultive du chevaux. C'est parti, mon kiki. On cultive les cheveux. Les cheveux, c'est rigolo. Ça voit de l'ONU, on est les copains des chevaux. Wow, wow. Les copains des chevaux, c'est nous. Les copains des chevaux, c'est vous. T'entends quoi? C'est marrant, hein?